Can you describe for me about this meeting? Do you know what happened? Eh bien, vous savez que MyBridge, à une époque, a commencé à faire une tournée en Europe avec son zoopraxiscope. Donc, il est allé à Londres, à Paris, etc. Et à Paris, il a donné deux projections, dont une qui était organisée par Marais, dans son hôtel particulier, boulevard d'Alessert. La projection organisée par Marais, c'était en septembre 1881, a été très importante parce que Marais a eu l'idée donc d'inviter MyBridge, mais aussi d'inviter un certain nombre d'artistes et de scientifiques. La projection était une projection avec beaucoup d'invités prestigieux. Et donc le public a pu apprécier les mouvements des projections de MyBridge. Et voilà, ça a été une projection tout à fait importante dont la presse a parlé. La presse a parlé de cette séance, donc il y a quand même quelque chose d'un peu prestigieux, voilà, qui s'est fait. Et on sait, voilà, que les deux hommes se sont rencontrés et ont certainement échangé leur point de vue à cette occasion. Voilà. I think it was a good evening. It was an explosion. He wanted to present MyBridge. MyBridge, he revolutioned also the photography, creating this fantastic photoelectric pictures in 78 in Palo Alto in December. When he saw MyBridge pictures, he could understand, because he was, of course you have realized, he was brilliant, he could understand the potential of the photography. And this made him think, I can maybe make photography to show what I think, what I can study, what I can find. And after that, he became a photographer. Et là, vraiment, ça ouvre un nouveau espace à Marais considérable. Il comprend qu'en fait, la photographie peut jouer un rôle déterminant dans cette nouvelle analyse du mouvement, une photographie qui serait combinée à la méthode graphique et qui donc, voilà, donnera naissance à la chronophotographie. Do you know what happened in this meeting concerning Pressinema, Lantern Magic, single plates and zoopraxiscope, the order? Do you have any? No, on n'a pas le détail de ce qui a été montré. On ne sait pas l'ordre, on ne sait pas. On sait simplement quand même que Marais a été un peu déçu tout de même par la qualité du zoopraxiscope, puisqu'au fond, le zoopraxiscope, c'était quand même des images peintes à la main. Voilà, donc il y avait quand même des problèmes de synthèse, justement. Et je crois que Marais a été un peu déçu par les images représentant le vol des oiseaux. Pour lui, c'était pas tout à fait correct, pas tout à fait scientifiquement correct. Marais was a little bit disappointed by the result of MyBridge, that Marais had asked MyBridge to make pictures from birds with the same process, and of course he could not. It used the same process with birds, and Marais was disappointed, and so he began to think, I have to try, and then find. At the end, he invented the photographic gun in February 82 in Napoli. MyBridge a des prétentions tout de même à séduire un public scientifique, un public artiste, donc c'est quand même quelqu'un qui est assez sérieux. D'ailleurs, il a fait quelques études
Il a essayé de faire quelques études sur la physiologie du mouvement, quoi, donc c'était un sujet important pour lui. Mais il est clair que entre Muybridge n'est pas un scientifique comme Marais. Marais est vraiment un physiologiste d'immense envergure, ce qui n'est pas du tout le cas de Muybridge, qui reste au fond surtout un merveilleux photographe.